plus appétissant qu'une bonne grillade lors des chaudes soirées d'été. Pour nous permettre de profiter de la belle saison encore plus, Marc-André Royal nous donne sa recette de bavette de veau grillée au café. Marc-André, ce qui est formidable avec cette recette-là, c'est qu'elle est très facile à faire et il y a, à ce que je vois, très peu d'ingrédients. Exactement. Des ingrédients faciles à trouver. On a de l'ail, de l'échalote, hein, très facile aussi à trouver, du cumin, du poivre en grains, de la moutarde, un peu de cassonade. On va utiliser aussi un vinaigre de vin rouge ou un vinaigre de xérès et puis du café. Génial. Et on utilise donc de la viande qui est une bavette de veau. Exactement. On peut utiliser autre chose. Aujourd'hui, c'est une belle bavette de veau. Donc, on commence tout de suite avec l'ail. Exactement. Ici, j'ai 3 gousses d'ail. On va juste venir l'écraser avec le dos de notre couteau. Donc, juste comme ça. Ouh! Ouh! Donc, on va juste venir hacher. Comme ça. Je vais venir concasser mon poivre. On continue, échalote. Okay. On va rajouter de la moutarde. Okay. Je vais rajouter un peu de cassonade. Donc, on va rajouter un peu de vinaigre de xérès. Voilà. Donc, là, on peut commencer à mélanger ça. Puis, l'ingrédient final, en fait, ça va être du café style espresso, donc une mouture fine, café assez corsé. On va utiliser ici café Vanout. On a bien mélangé nos ingrédients. Cette étape-ci, elle va être très facile. On va juste venir déposer nos 2 pièces de viande comme ça à l'intérieur. L'important, c'est de bien mariner. Hein, on veut quand même donner beaucoup de goût. Un bon 24 heures au frigo. Hein, c'est là qu'on va aller chercher beaucoup plus de tendreté puis de goût à l'intérieur. Alors, on y va, on est prêt pour le grill? Exactement. Génial. Allons-y.